Bonjour à tous, bonjour les biquettes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne Twitch. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Pour les nouveaux, pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo, pensez à clocher la cloche. Merci à vous, si vous pouvez faire tout ça, ça fera connaître ma chaîne. Donc merci à vous. Donc on se retrouve sur ce petit jeu Immortal Rising. C'est un jeu sur téléphone sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos dessus. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous montrer, pour vous créer un bon stuff. Bon stuff, c'est quoi? Bon stuff électrique, voilà, cherchez le mot. Bon stuff électrique. Donc je vais vous montrer un petit peu les capacités, les compétences, les talents à mettre dans votre skill pour monter l'électrique. Et c'est un très bon stuff. Donc il faut aller ici dans talent. Voilà. Alors nous allons chercher. Tout d'abord, il vous faut le mode enragé pour votre stuff électrique. Donc à mettre dedans. Voilà. Après, il vous faut innerve. Pour avoir innerve, il faut changer gravé de rune. Il faut changer. Il faut pas passer soin amélioré. Il faut passer innerve. Donc vous allez sur gravure. Vous changez comme ça, gravé, voilà. Après, il vous faut ici le sacré, rupture. Donc invoque une énorme épée qui frappe les ennemis devant l'immortel. Inflige 520% de dégâts. Donc c'est pas mal du tout. Après, il vous faut ici la glace. Donc invoque devant lui un blizzard. Hop, pardon. Invoque devant lui un blizzard pendant 5 secondes, inflige 225% de dégâts chaque seconde à tous les ennemis se trouvent à portée, réduisant également la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement de 50. Voilà. Après, il vous faut. Non, alors. Je cherche où il est. Ta 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 ta. Comme ils sont. C'est celui-ci. Hop, voilà, c'est celui-ci. Normal. En cas de coup critique, la vitesse. Donc c'est détecter la faiblesse. En cas de coup critique, la vitesse de. La vitesse d'attaque augmente de 60%. Et la résistance aux dégâts augmente de 60%. Voilà. Voilà le premier passif à mettre. Après, il vous faut. Ici, il vous faut normal, bien sûr. Après, quand vous allez les monter, ils seront beaucoup plus forts. Voilà. Donc, dégâts des attaques de base augmentés de 3% par tranche de 1% de vitesse de déplacement. Voilà. Après, il vous faut. Je cherche où il est. Je le trouve plus. Il est où? Ah, ça vous le montrer peut-être plus tard. Hop, hop. Attentif, non, il n'est pas là-dedans. Dans gravure, c'est pas celui-ci. Voilà. Donc après, il y a celui-ci à avoir. Exploiter la faiblesse. Donc les dégâts infligés aux ennemis ayant des malus sont augmentés de 40% par malus. Donc qui est très important aussi. Et le petit dernier que je vous cherche. Alors, il est où? Un petit dernier. C'est un petit bonhomme. Alors je trouve plus le symbole. Je ne m'en rappelle plus le nom non plus. C'est un bonhomme avec un arc électrique au-dessus. Mais je le trouve pas. J'ai pas encore le niveau. Je me demande si c'est pas c'est celui-là, mais quand il sera amélioré.
pense que ça tue. Sur une attaque de base réussie, 20% de chance d'infliger 450% de dégâts et de repousser l'ennemi. Je pense que c'est celui-là, mais je le trouve pas. Non. Attends, je vais regarder sur les. Je sais pas, son invocant. Talent. Est-ce qu'on peut les voir? Non, on peut pas les voir. Non, c'était celui-là. Donc je répète. Alors, il vous faut enragé. Après, il vous faut innerf avec la gravure que vous pouvez changer. Voilà. Il vous faut rupture. Après, blizzard. Après, il vous faut détecter la faiblesse. Détecter la faiblesse. Il vous faut montée d'adrénaline. Il vous faut exploiter la faiblesse. Voilà. Et il m'en manque un que je trouve pas. Comme je vous ai dit, c'est alors je pense que c'est celui-ci amélioré, peut-être. Le symbole est bleu avec un bonhomme avec un bras vers le haut et un arc électrique au-dessus de la sur le côté droit, en haut à droite. Si jamais vous le trouvez, c'est celui-ci. Mais là, je l'ai pas. Donc j'ai pas tout amélioré encore. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo vous sera utile au cas où si vous voulez faire un petit stuff électrique. Donc n'hésitez pas à essayer de le monter si vous souhaitez. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne game et on se retrouve à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!